Et salut tout le monde, ça c'est les potes, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour dénoncer un petit peu parce que c'est de mécontentement. Avant, à partir du moment où on a de la lumière, bah normalement il n'y a plus de zombies et ni de creepers. Et là, ça fait un bout de temps depuis cette dernière mise à jour. Bah, les lumières ne servent plus à rien, les zombies ils spawnent n'importe comment, en survie, je précise bien, en survie, et si possible, si quelqu'un voit cette vidéo, qui fait un maximum de partage pour que tout le monde sache, enfin pour ceux qui adorent jouer en mode survie, moi en particulier, moi je suis pas content de voir ça, hein, de voir des creepers qui spawnent au milieu des lumières, alors que là c'est pas une petite lumière, hein, une petite lumière je peux comprendre, mais là il y a de la lumière partout, partout il y a de la lumière. J'ose même pas sortir, alors qu'avant je pouvais sortir jusqu'à un certain endroit à partir du moment où c'est éclairé. Avant le but c'était ça, hein, à partir du moment où il y a de la lumière, on est en sécurité en quelque sorte, alors que là vous avez vu dehors il y a plein plein de monstres qui m'attendent, qui attendent que moi pour sortir pour me dégommer. Et du coup, alors est-ce qu'il y a une solution selon vous? Si vous avez une solution ou plusieurs, vous pouvez m'indiquer dans le commentaire bien sûr, si ce serait pas un refus. Alors est-ce qu'il y a de nouvelles lumières que je connais pas, qu'il faut installer, parce que là si je sors dehors je suis mort. Regardez, il y a des creepers alors qu'il y a de la lumière. Je vais monter un peu plus haut pour mieux voir, parce que au-dessus de, après oui, les araignées c'est pas très très, on va dire les araignées n'ont pas peur de la lumière, mais sinon que ce soit le squelette et les zombies, bah même les creepers ils sont pas censés de spawner là où il y a de la lumière. Normalement, c'est un espace protégé. Alors, qui est d'accord et pas d'accord avec moi? Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça sert plus à rien de construire sur Minecraft en survie, en tout cas. Que ça sert plus à rien de se protéger, quoi, parce qu'on est en danger partout. Admettons, là, avec toutes les lumières que j'ai, je me réveille, boum, je me fais exploser. Après tout le travail que je fais, sur Minecraft, après oui, c'est qu'un jeu, etc. etc. Mais bon, non, on a l'habitude de jouer sur Minecraft, mes amis. On a l'habitude, ceux qui ont l'habitude comme moi, ils savent comment ça se passe. Donc, quand on a l'habitude de jouer en survie, pas en créatif, hein, je précise bien, en survie, bah, les spawns, il y a des endroits que ça spawn, il y a des endroits que ça spawn pas. Et là, je suis en danger, là. Je suis vraiment en danger, là, je viens de faire une jolie piscine. Ah, si je sors, bah parfois boum, ça explose et puis je recommence tout à zéro. Et c'est pas le but, je pense, c'est pas le but de tous les joueurs, hein. C'est vraiment pas le but de tous les joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, pouce bleu, hein, qui fait toujours plaisir et qui fait avancer la chaîne, bien sûr. Et bah si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est simple, hein, vous dislikez et puis vous laissez votre petit commentaire de mécontentement. En tout cas, moi je suis mécontent. Voilà, il y a un zombie là, alors qu'il y a lumière partout, partout, il y a de la lumière. Normalement, ce qui remplace le soleil, c'est de la lumière. Donc voilà. Après, peut-être que je n'ai pas lu des articles, hein, pour dire qu'il faut avoir d'autres lumières pour les faire fuir. En tout cas, je m'arrête là, mes amis. J'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour ce mécontentement. C'est inhabituel, mais ça fait un bout de temps que ça dure. Laissez votre commentaire, bien sûr, et puis likez, partagez. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'appuyer la petite cloche, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!